Voilà, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose que nous respections l'horaire qui était initialement annoncé pour que nous puissions débuter cette soirée, organisée, comme vous le savez, par la Maison de l'Europe. Alors, je ne suis pas Michel Dorin, les plus attentifs d'entre vous l'auront bien remarqué. C'est lui qui devait animer cette soirée en sa qualité de président de la Maison de l'Europe de Bretagne. Mais Michel nous a appelé hier, il a le Covid. Et donc, il m'a demandé de le remplacer. Alors, je serai évidemment beaucoup moins compétent que lui sur toutes ces questions passionnantes. Je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Xavier de Bontrite. Je suis journaliste à Rennes et je m'intéresse beaucoup, alors, aux questions européennes, mais aussi aux questions entrepreneuriales, aux questions de transition de territoire. Donc, toutes les thématiques qui vont être abordées ce soir vont me passionner, j'en suis sûr. J'espère que je serai à la hauteur de la noble assemblée que vous représentez et de ce plateau que je vais vous présenter dans quelques instants. On va parler ensemble ce soir. Vous le savez, hein, c'est une rencontre thématique qui s'inscrit dans un cycle de quatre. Il y en a déjà eu deux. C'est la troisième. Il y en aura encore une dans quelques jours, Magali, la semaine prochaine. Et là, vous avez choisi de faire un focus sur le social et l'économie en lien avec les territoires, en lien avec les collectivités. Et je me tourne vers vous, Magali Potier, parce que vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe. Et c'est vrai que c'est peut-être intéressant qu'à ce stade, vous rappeliez dans quel esprit ce cycle de conférences a été construit. Il arrive là, pas par hasard, hein. On est dans la présidence française de l'Union européenne. Il y a des choses intéressantes à dire. Et en Bretagne, singulièrement, vous aviez envie de donner des petits coups de projecteur sur le lien entre justement les citoyens que nous sommes, la connaissance de ces questions européennes, pas toujours au top, hein, optimal. Donc il y a encore du boulot et vous êtes là pour ça. Tout à fait, merci Xavier. Bonsoir à tous. Donc effectivement, les conférences que nous organisons par la Maison de l'Europe sont inscrites dans le cadre de ce qu'on appelle la présidence du Conseil de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et pour l'organisation de ces tables rondes, nous sommes soutenus par la Commission européenne. Notre but, c'est vraiment de faire connaître les politiques de l'Union européenne qui sont bien inscrites dans le territoire de la Bretagne et les différentes thématiques de l'Union européenne. Donc, on a déjà abordé l'agriculture et l'environnement. Nous avons déjà abordé l'international et l'innovation. Là, j'étais là et c'était passionnant. C'était vous. Et la semaine prochaine, on va aborder la citoyenneté et l'égalité. Ça sera à Montfort Communauté, je crois, parce qu'à Exactement. chaque fois, c'est une des caractéristiques de ce programme. Vous tournez, hein, dans Tout les à fait. territoires d'Ille-et-Vilaine. Alors, la question que vous posez, eh bien, elle s'affiche sur cet écran, hein, l'Europe sociale et économique au service de nos territoires. Comment ça se traduit concrètement, hein, dans nos territoires, cette politique sociale et économique? C'est vraiment ça qu'on va essayer ensemble, de manière concrète le plus possible, d'aborder. On va rappeler le cadre évidemment dans lequel tout ça s'inscrit, les outils également. On va parler de FSE, de FSE+. Il y a des changements, c'est ça qui fait le sel de ces politiques. Et puis, grâce au panel que vous avez constitué, on va pouvoir confronter tout ça à la réalité du territoire ici. On est invité, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Je vais vous présenter rapidement. Je pense que tout le monde vous connaît. Évidemment, il y a Isabelle Le Callennec, présidente de Vitré Communauté et maire de Vitré. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Nicolas Perrin, qui est vice-président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Catherine Alain, à l'autre bout, est la directrice du centre social de Vitré. Et vous m'apprenez que c'est sans doute le plus important d'Ille-et-Vilaine. Bravo pour cela. Et je n'oublie pas Franck Neveu, qui est responsable du service insertion de la ville de Vitré. Merci aussi. Donc, on va être avec vous le plus concret possible, voir comment justement les grandes politiques européennes font effet de levier, je reprends votre formule, Magali, pour pouvoir eh bien, flécher des initiatives qui vont dans le sens, pas n'importe quelles initiatives évidemment, des initiatives qui vont dans le sens de la stratégie européenne. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, en fait, comme le disait Xavier, on est vraiment sur un effet levier. Ce qu'on appelle les fonds structurels d'investissement sont vraiment des fonds qui ne se substituent pas aux financements nationaux, mais interviennent comme un complément. Et il est vrai que la plupart des projets qui sortent de terre dans les territoires se font grâce en majorité à des fonds européens. Donc, on peut citer le FSE, il y a aussi le FEDER. Donc, c'est des acronymes. On a aussi le FEAMP, qui est
tout ce qui est lié à la pêche, à la pêche au milieu marin. De pêche et marin, exactement. Et on a aussi ce qu'on appelle le fonds de cohésion qui, elle, est plus dans le domaine des transports et de l'environnement. Et à chaque fois, ce sont des enveloppes significatives. On est en plusieurs milliards d'euros à l'échelle nationale. Et quand on regarde à l'échelle régionale, c'est significatif également, plusieurs centaines de millions. Oui, il y a beaucoup de millions d'euros qui sont injectés. Donc c'est géré, évidemment, l'État a donné le droit de gestion aux régions. Et ensuite, il y a une déclinaison dans la gestion départementale et ensuite les EPCI. Animée voilà, par les communautés de communes ou parfois des villes très importantes. On reviendra sur ce point. Vous avez raison de souligner déjà, rien qu'en le disant comme ça, on mesure l'apparente complexité du dispositif. Et j'ai cru comprendre que ça vous ferait réagir peut-être parce que c'est ce que vous êtes confronté, ou ce à quoi vous êtes confronté régulièrement. Et c'est peut-être aussi une spécialité ou une spécificité française. Donc ça méritera qu'on en parle dans notre échange et dans notre débat. Ça, voilà, pour les fonds. Alors, on ne va pas parler de tous ce soir. On se focalise, vous l'avez dit, sur un fonds particulier, le FSE, qui est en train, en plus, de changer un petit peu. Il y a eu une petite réforme récemment de ces fonds. Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le FSE+. Il y a une enveloppe déjà qui est plus importante, mais il y a une aide qui est apportée, ce qui n'était pas le cas avant, donc ce qu'on appelle l'aide aux migrants, qui a été intégrée dans le FSE. Et le FSE va regrouper plusieurs d'autres programmes de l'Union européenne, par exemple tout ce qui est lié à... Il y a un dispositif un peu plus important pour l'emploi, pour la garantie européenne de la jeunesse aussi. Donc tout ça, c'est mélangé dans ce qu'on appelle le FSE+. Ça ressemble beaucoup... le plus à Erasmus, qui est passé d'Erasmus à Erasmus+. Donc il y a une vraie volonté, en tout cas pour l'Union européenne, de donner des moyens pour la protection et en tout cas pour l'animation de tous les territoires. Alors, celles et ceux qui nous écoutent vont peut-être être un petit peu perdus dans tous les acronymes qu'on utilise ce soir. Est-ce qu'on peut leur donner des lieux de ressources? Alors, il y a évidemment la Maison de l'Europe qui va nous fournir des informations. Il y a aussi des sites en ligne, je pense à un notamment. Oui. Voilà. Alors, c'est pas celui-ci. Alors, c'est pas celui-là qui est très bien aussi. C'est le vôtre. Il était pas mal. Celui vitré est pas mal. On va y revenir. On va y Rassurez-vous, revenir. Isabelle. Donc, on a pour tout ça sur les fonds européens, la région Bretagne a créé un site qui s'appelle l'Europe en Bretagne, l'Europe.bzh, pardon. Mais B, c'est l'Europe en Bretagne, vous avez. Exactement. C'est Europe.bzh et là-dessus, il y a plein de choses. Un site internet hyper simple et hyper pratique qui permet de montrer la présence de l'Europe dans le quotidien des Bretons et des Bretonnes. Et donc, on peut y retrouver différentes actualités, mais surtout, on peut faire des recherches sur des aides européennes. Il y a tout un formulaire que l'on peut pré-remplir. Et enfin, on a une carte interactive des projets cofinancés par l'Union européenne sur le territoire en Bretagne. Et vitré dessus, hein, si on zoome un petit peu. On a regardé avant. Il y a des projets qui sont effectivement identifiés. Ça, c'est pour les ressources. Effectivement, c'est important de les avoir en tête. On peut aussi, peut-être, avant d'être éclairé pour introduire notre débat par une contribution en vidéo. On se dit parfois l'Europe c'est loin, c'est compliqué, c'est pas concret. Il y a un exemple très concret que Magali et moi nous avons découvert, enfin Magali elle le savait, moi je le savais pas, en se connectant à la Wi-Fi dans cette salle, figurez-vous voilà, Wi-Fi for You, cofinancé par l'Union européenne. Vous nous expliquez Magali ? Oui, en fait, Wi-Fi for You, c'est un dispositif de l'Union européenne qui permettait d'avoir des enveloppes spéciales pour que les collectivités puissent obtenir des aides financières et pouvoir faire profiter la Wi-Fi, Wi-Fi gratuit au grand public. Et donc, j'imagine que Vitré ou Vitré Communauté, je ne sais pas quelle commune... Ont actionné ce levier. Et donc, alors là, vous faites bien les choses à Vitré. Il y a bien le petit drapeau qui nous dit que c'est financé par l'Union européenne. J'ai cru comprendre que parfois, on n'était pas suffisamment précis sur ces mentions-là, Magali. On essaye en tout cas de travailler au mieux avec les porteurs de projets, quels qu'ils soient, pour rendre visible et valoriser les fonds européens qui sont octroyés pour les projets. Donc là, on a un bel exemple puisqu'on a un drapeau qui indique fièrement et clairement que l'Europe a prêté, en tout cas, enfin, a donné des aides financières pour ce projet. Alors,
Voilà pour le cadrage général. On a sollicité dans la préparation de cette rencontre le point de vue expert de deux spécialistes à Bruxelles, à la Commission de Bruxelles. Il s'agit de, je vais bien le prononcer, c'est Jiří Plečetí et Barbara Agnelli. Ils sont tous deux ils travaillent tous deux au sein de la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Chaque mot compte dans cette intitulée de la Direction générale de la Commission européenne. Et vous leur avez posé quelques questions qui éclairent précisément l'action de la Commission dans le champ économique et social au service des territoires. Je vous propose qu'on les écoute et puis ensuite on engage les échanges et le débat avec le panel et puis bien sûr avec vous dans la salle. Ça arrive, voilà. Il est chef d'unité, Jiří Plečetí. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir organisé cette conférence et aussi de nous avoir invités à partager avec vous quelques mots d'introduction au nom de la Commission européenne. Comme vous savez très bien, nous avons derrière nous deux années très difficiles dues à la crise Covid. Aujourd'hui, la France et l'Europe sont heureusement dans une phase de relance, d'amélioration de la situation de l'emploi, au cours de laquelle les territoires jouent et joueront un rôle clé. La reprise de l'emploi, effectivement, se fera à l'échelle locale et nécessitera des politiques d'appui à l'emploi, à la formation, bien ancrées dans les territoires et leurs besoins. Le local est aussi le lieu de la cohésion et de l'insertion sociale. C'est le meilleur échelon pour lutter contre le mal-logement et pour faciliter l'intégration des groupes les plus vulnérables sur le marché du travail. Ici, je pense par exemple au projet des territoires zéro chômeur que vous connaissez bien en Bretagne, en centre-ouest de la Bretagne. Quel que soit le niveau auquel les politiques et les financements publics sont décidés, l'essentiel, c'est que leur impact positif puissent se ressentir dans les territoires et par les citoyens qui y habitent. Les politiques européennes ne font pas exception. Et en premier lieu, le socle européen des droits sociaux, agréé et proclamé en novembre 2017. Les 20 principes fondamentaux du socle représentent un véritable compas pour les politiques et les financements européens, dont les domaines couverts par le socle, avec pour but de contribuer au progrès social en Europe, favorisant des marchés du travail et des systèmes de protection sociale équitables et qui fonctionnent bien. Plus récemment, en mai 2021, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont mis d'accord sur trois objectifs clés à poursuivre dans ce contexte à l'horizon de 2030. Tout d'abord, atteindre un taux d'emploi bien supérieur au taux actuel et visant un taux de 78%. Ceci nous appelle à mobiliser les capacités encore à utiliser sur le marché du travail, notamment en ce qui concerne l'emploi des femmes et l'emploi des jeunes, des groupes qui rencontrent encore des difficultés sur le marché du travail. Deuxièmement, l'objectif de faire passer de 37 à 60% le taux des adultes qui sont en formation continue, qui suivent une formation continue. Et ceci afin de répondre aux défis posés par les innovations technologiques et à répondre aux besoins créés par les nouveaux métiers, notamment les métiers liés à la transition climatique et à la transition digitale. Et enfin, l'objectif de sortir d'ici 2030 au moins 15 millions de personnes dans l'Union européenne de la pauvreté, avec une indication qu'au moins un tiers de ces personnes, de cet objectif, devrait être des enfants. Avoir des objectifs clairs au niveau européen est particulièrement important dans un contexte d'incertitude tel que nous le vivons aujourd'hui. D'abord à cause des conséquences socio-économiques de la crise pandémique, mais aussi à cause, malheureusement, des guerres à nos frontières. Comme je le disais, ces objectifs ne peuvent pas être atteints
sans un effort partagé par les États membres et leur territoire. Et c'est pourquoi il est très important pour nous que vous soyez là et que vous vous intéressiez à ce que l'Europe peut vous apporter. Parmi toute la politique de l'Union européenne, c'est certainement la politique de cohésion, avec ses investissements visant à réduire les inégalités entre les régions, qui vous parle le plus directement. Parmi tous les fonds qui la composent, c'est le Fonds social européen qui est l'instrument le plus pertinent pour soutenir des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs partagés dont je viens de parler. En France, le Fonds social européen vise principalement l'accompagnement vers l'emploi, l'extension de l'offre de formation, initiale mais surtout tout au long de la vie, et l'amélioration des mesures d'inclusion sociale. Le Fonds social européen Plus, comme on l'appelle pour la période 2021-2027, permettra également de soutenir l'accès aux services de santé, là où le besoin est le plus important, et la lutte contre la pauvreté, notamment infantile, en lien avec l'objectif que j'ai cité précédemment. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant une réunion fructueuse, je souhaite maintenant passer la parole à ma collègue Barbara Niari, qui est responsable pour la mise en œuvre du Fonds social européen en Bretagne, au sein de notre équipe. Elle va vous parler plus concrètement de ce que ces fonds européens de la politique de cohésion peuvent apporter à la France et à vos territoires. Merci pour votre attention. Pourriez être intéressé de savoir comment une collectivité peut mobiliser les fonds européens et pour quel projet. Alors, ces fonds financent des projets pour améliorer les quotidiens des citoyens et leur cadre de vie. Des projets d'infrastructure dans des territoires fragiles ou des requalifications de centres-villes peuvent être éligibles aux fonds européens, par exemple. Une collectivité, une entreprise ou une association peut présenter un projet qu'elle juge utile au développement de son territoire. Ce projet doit permettre de répondre aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux identifiés. Les fonds européens sont attribués aux États membres et gérés de manière partagée entre l'État et les régions. Ces fonds fonctionnent principalement par le biais d'appels à projets. Les appels à projets permettent d'orienter les projets en fonction des objectifs et thématiques jugés comme prioritaires par la région et par la Commission. Les différents projets seront évalués par des experts en fonction des critères préalablement définis afin de sélectionner les meilleurs projets. En Bretagne, l'Union européenne soutient les projets qui participent au développement durable, à la compétitivité économique et à l'attractivité du territoire. Le Fonds européen de développement régional, le FEDER, finance notamment le déploiement de réseaux à haut débit, le développement des énergies renouvelables, l'amélioration des transports collectifs et la rénovation thermique de parcs HLM. Le Fonds social européen, le FSE, cofinance des projets locaux, régionaux et nationaux qui contribuent à la qualité d'emploi, à l'inclusion sur le marché du travail et à la lutte contre la pauvreté. Il soutient notamment la formation des demandeurs d'emploi, la sécurisation des parcours d'insertion professionnelle et l'inclusion sociale. Le FSE représente une enveloppe de 184 millions pour la Bretagne, dont la gestion est partagée entre l'État avec 122 millions et la région, 62 millions d'euros. La part régionale du FSE est entièrement dédiée à Qualif Emploi, un programme qui permet de financer davantage des formations qualifiantes. Les formations accompagnées concernent principalement six filières majeures: tourisme, bâtiment construction, numérique, alimentaire et agroalimentaire, industrie et santé. La Commission se réjouit que le FSE au niveau régional a soutenu déjà la formation de plus de 19 000 personnes en Bretagne, dont 63% ont trouvé un emploi 6 mois après leur sortie et 62% ont obtenu une qualification. Le programme national a financé l'inclusion sociale et l'accompagnement de 180 000 participants.
Pour conclure, je me permets de rappeler que devant la complexité et la diversité des situations sur le territoire européen, l'Union européenne a progressivement bâti des programmes de soutien qui se complètent les unes les autres et a établi des orientations politiques communes. Rien ne se fera sans vous, les citoyens, les institutions territoriales, les entreprises et les associations. Nous avons besoin de vous pour travailler ensemble et pour concevoir notre avenir en Europe. Nous espérons que cette courte intervention pouvait vous aider à mieux comprendre le rôle de l'Europe dans la région. Et nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un intéressant débat avec vos représentants. Voilà pour ces deux interventions qui, effectivement, ont le mérite à la fois de donner le cadre dans lequel agit l'Union européenne sur ces problématiques emploi, solidarité, économique, sociale, vous l'avez bien compris. Et puis quelques chiffres aussi, 184 millions d'euros pour la Bretagne, c'est ce que j'ai retenu pour le FSE, c'est ça. À Vitré Communauté, Isabelle Le Callennec, vous avez le micro juste devant vous. Est-ce que l'on peut encore resserrer un petit peu la focale et avoir à la maille territoriale qui est la vôtre des informations sur ce que cela peut représenter ? Oui, bien sûr. D'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et merci de votre présence. Je salue en particulier les élus, mais pas que. Vous avez aussi dans la salle des représentants d'associations qui eux-mêmes ont bénéficié des fonds européens. Donc merci pour l'organisation de cette soirée. Le FSE sur 2014-2020 pour Vitré Communauté, ça a été 1,7 million. Voilà. Donc c'est assez concret. Ouais. Ça nous a permis de mener des actions à la Maison de l'Emploi, de l'entreprise et de la formation professionnelle. Ça a été dit à plusieurs reprises. Quand on veut rapprocher l'offre et la demande sur d'emploi, un territoire où pourtant on a besoin. On sait que le chômage est bas chez vous. Effectivement, mais il y a quand même besoin d'être efficace. Tout à fait. Le taux de chômage ici, c'est le plus bas de France avec les Herbiers. C'est 4%. Et en fait, les personnes qui aujourd'hui ne sont pas en emploi, en stage ou en formation ou en apprentissage, ce sont ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et donc, on a ce devoir de les accompagner. C'est pour ça, et tout à l'heure, Franck Neveu vous décrira ce qu'on peut faire dans le cadre de Vitré Communauté et du chantier d'insertion. Donc, ça a permis d'aider donc, la Maison de l'Emploi avec ses actions. Ça a permis d'aider une association qui intervient notamment au sud du pays de Vitré, s'appelle Le Relais, qui a permis aussi, en chantier d'insertion, de remettre des personnes en activité. Ça a permis aussi de financer une partie de ce qu'on appelle réussir l'industrie, qui a été porté par la mission locale. Et ça a permis, depuis de longues années, de porter, mais le président de la DMR est là, un dispositif très particulier ici qui nous a permis d'aider en particulier des femmes ou des familles monoparentales à retrouver un travail parce qu'on mettait en place la garde aux horaires dits atypiques. Ici, on a 40% des salariés qui travaillent dans l'industrie qui commencent horaires, parfois de bonne heure avec des horaires effectivement décalé par rapport aux horaires. Et donc la DMR, pendant de longues années, mais vous pourrez témoigner, a apporté ce dispositif. J'évoquerai tout à l'heure la question des améliorations possibles dans la gestion des fonds. C'est la question mais que je voulais vous poser. Mais très concrètement, c'est 1,7 million. Ça permet des actions très concrètes. Ça permet de remettre des gens au travail. Ça permet de faire revenir des personnes qui sont éloignées de l'emploi vers l'emploi progressivement avec des services. Donc oui, c'est extrêmement positif. On verra effectivement tout à l'heure dans le cadre de notre échange de quelle manière il est peut-être possible et certainement souhaitable encore d'améliorer les dispositifs, la lisibilité, l'accessibilité aussi de ces dispositifs dont on a compris dans les propos qui nous étaient tenus à l'instant que ça reste quand même assez des grosses machines un petit peu compliquées. Au département, justement, je me tourne vers vous pour en discuter. Nicolas Perrin, vous êtes vice-président en charge de la solidarité territoriale. C'est bien ça ? C'est ça, en effet. Les contrats de territoire qui permettent finalement au département d'être en co-investissement sur les besoins prioritaires des différents EPCI du département et des communes. Alors, la loi NOTRe étant passée par là, la compétence économique n'est plus dévolue au conseil départemental, c'est la région qui s'en charge. Néanmoins, vous avez gardé des attributions justement dans la dimension solidarité, accompagnement des plus fragiles. Oui, tout à fait. Depuis la loi NOTRe, la compétence économique a disparu, même si il convient quand même de rappeler que
À partir du moment où le département finalement représente un budget d'1,2 milliard sur le territoire, c'est à peu près 5% du PIB qui, à un moment donné, circule par le département et vient ruisseler sur les différents territoires. Et à ce titre-là, on est aussi un acteur économique malgré tout. Et vous accompagnez les habitants, les Brétiliens et les Brétiliennes, comme on dit maintenant, du berceau à la tombe, hein, d'une certaine manière. Oui, alors effectivement, avec nos différentes politiques sociales, que ce soit en matière de protection de l'enfance jusqu'à nos politiques d'autonomie, d'appui à l'autonomie, nous avons différentes politiques de solidarité, et dont notamment via le FSE, un budget d'environ 1,7 million d'euros par an, pour financer 23 structures de chantiers d'insertion. Attendez, vous dites 1 700 000, c'est le même chiffre que Vitré. Donc... Ah, sur l'ensemble. Oui, c'est par an. Oui, voilà, merci de le rappeler, Isabelle Le Callennec. Effectivement, il faut, là, c'est année par année. D'accord. C'est par an et c'est, en revanche, là aussi, en lien avec les territoires, puisque finançant des partenaires qui sont présents, notamment certains à Vitré, d'autres, par exemple, plus connus, un projet très connu à Pipriac aujourd'hui, Territoire Zéro Chômeur. Qui le est fameux train, Territoire Zéro Chômeur. Voilà, oui. Qui remet des personnes aussi dans le sens, si ce n'est de l'emploi, mais déjà du lien social dans un premier temps, puis effectivement de l'emploi pour certains d'entre eux. Et également des projets à destination des enfants de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Aide sociale à l'enfance, ouais, voilà. Il y a beaucoup d'acronymes dans tout ça. Effectivement, ça c'est. Je vois que vous avez appris vite la langue, hein, parce que. j'essaye de découvrir, c'est pas ma culture d'origine, mais moi j'étais auparavant entrepreneur d'une entreprise de lutte contre le gaspillage qui est aujourd'hui pionnière en France et compte à peu près 300 collaborateurs. Phoenix, pour ne pas la citer. Donc ça, l'Europe sociale et économique, en tout cas le lien entre le social et l'économique, ça me parle. Ça vous parle et ça vous touche. Ouais. Ça me parle beaucoup et d'ailleurs, ça me permet peut-être de rebondir aussi sur une considération. Alors certes, plus globale, mais il faut avoir à l'esprit malgré tout que... Autant cette Europe aujourd'hui est extrêmement importante, on le voit par les temps qui courent, à quel point il est essentiel qu'elle soit unie et structurée. Et donc il n'y a pas de débat sur le fait qu'il faut la rendre plus politique encore. Autant l'Europe économique telle qu'elle est construite aujourd'hui, finalement créer des fragilités sociales, créer des fragilités dans les territoires et d'une certaine manière oblige derrière à mettre en place des fonds d'investissement, des fonds sociaux pour réparer les dégâts causés par cette économie. On est en quelque sorte dans un fonctionnement un peu binaire, un peu clivant, peut-être même parfois stigmatisant. D'un côté, l'économie qui progresse, qui croît, de l'autre côté, le public qui ne génère pas une croissance affichable, de l'autre côté, les personnes qui ont du mal à s'insérer. Un exemple, c'est la politique agricole commune telle qu'elle vient d'être repensée. On sait bien qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique crée énormément plus d'emplois que l'agriculture, on va dire, intensive, qui est pourtant celle qui vient d'être, à qui la PAC vient de renouveler une certaine confiance et au contraire de réduire les aides aux agriculteurs bio qui souhaitent s'installer. Donc ce fonctionnement-là, finalement, va générer d'une certaine manière des pertes d'emplois, en tout cas chez les agriculteurs, on le constate, hein, c'est seulement une exploitation. On vous sent critique, là, effectivement, Nicolas Perrin, et la lecture politique également que vous faites, ce prisme-là. Mais c'est intéressant de l'avoir. Peut-être que votre voisine ne partagera pas tout à fait la même analyse. Allez, je ne prends pas beaucoup de risques en disant cela,
et vous pouvez répondre d'ailleurs à ce débat. On est là effectivement dans une politique européenne avec des choix qui peuvent être questionnés, et c'est le jeu de la démocratie que de le faire entendre. Sur l'accessibilité, et puis après on ira voir sur le terrain du côté de Vitré comment les choses se sont passées, notamment dans le domaine de l'insertion avec votre voisin, mais sur la lisibilité et l'accessibilité. On entendait Isabelle Le Callennec nous dire, bah oui, à Vitré, c'est quand même assez significatif, 1,7 million sur la période, on a pu faire des choses concrètes. Pour en arriver là, j'avais envie de vous entendre, comment ça se passe? C'est promenade de santé? Pas tout à fait. Non, ce n'est pas promenade de santé. Et s'il y avait des pistes d'amélioration, c'est sur cette question de la complexité. Les associations ici présentes pourront témoigner de la difficulté à remplir les dossiers, à cocher les bonnes cases. Si on les coche mal, ça repart. Attendre que ça arrive sur le compte. Et ça n'arrive parfois pas sur le compte. Parce alors qu'on avait engagé des dépenses parfois. Il y a une évaluation, ça a été très justement dit. Il y a un contrôle. Et après coup, on est susceptible de se voir signifier que non, finalement... L'argent auquel on s'attendait n'est pas exactement versé, voire doit être rendu. Des associations, ce n'est pas négligeable. Je vous citerai l'exemple de tout à l'heure de la garde aux horaires atypiques. Hein. La DMR avait l'habitude de demander des aides pour cela. Encore une fois, ça permettait l'insertion en particulier, puisque un des objectifs, c'est le taux d'emploi des femmes qui avaient choisi de retravailler, d'être soutenues. Eh bien, un jour, l'Union européenne a dit bah non, vous ne cochez pas toutes les cases qu'il faut, alors que pour moi, on rentre vraiment dans ce qui est proposé, justement, efficient. L'emploi des femmes, la remise au travail, etc. Et résultat des courses, pour ne pas mettre en difficulté l'association, c'est Vitré Communauté qui a pris en charge ce que l'Union européenne n'a pas pris. Sur la maison de l'emploi en particulier, donc tous les ans, dès qu'on est organisé, dès qu'on a des personnes qui sont là pour remplir les dossiers, ça va à peu près. On ne touche pas l'argent tout de suite, ça c'est sûr. Et parfois, on a envie de dire, faites-nous confiance. Quand je vois notamment, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais les premières fois qu'on a donc sollicité des subventions pour le chantier d'insertion, qu'il fallait quasiment chronométrer le temps passé, je me souviens, par l'assistante sociale qui accompagnait les salariés du chantier d'insertion pour bien... dire, voilà, elle avait passé tel temps là. Il fallait objectiver le dossier, mais c'est compliqué. Je pense qu'il faut faire confiance au territoire. On est déjà dans un pays qui est assez suradministré. Donc des contrôles, on en a déjà. Il faudrait qu'on en rajoute peut-être même encore un peu plus. Peut-être que c'est fait pour des pays attendu, qui seraient peut-être moins scrupuleux, j'en sais rien. Mais nous, voilà, on fait les choses correctement. On a une administration performante, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est la première chose quand c'est en direct. Après... Ce qui est intéressant, c'est au département d'Ille-et-Vilaine, si je ne me trompe pas, il y a des personnes qui s'occupent des fonds européens. C'est la même chose à la région. On s'est posé la question à un moment donné à Vitré Communauté de se dire est-ce qu'on va embaucher quelqu'un pour aller chercher des fonds européens? Et en fait, on s'est dit que non, parce qu'on avait des interlocuteurs principe de compétents subsidiarité, comme exactement on dit. Au niveau du département, au niveau de la région, qu'effectivement, il y avait déjà des équipes constituées. Donc, ce sont nos intermédiaires, entre guillemets. C'est important pour nous de savoir auprès de qui on peut faire ces demandes-là pour que, effectivement, l'Union européenne... Alors, vous les remercierez et vous les féliciterez parce qu'ils parlent très bien français. Je crois qu'il y en a une qui est tchèque et l'autre qui doit être... J'ai pas l'identité, mais oui. En tout cas, ils ne sont pas français, ce n'est pas la langue maternelle. Je crois qu'il y a un hongrois et une tchèque ou l'inverse. Ouais, ça doit être bref, ça. Faudra les féliciter. En tous les cas, voilà, ils nous demandent effectivement d'être en proximité et ils ont complètement raison, surtout le social. Le social, c'est vraiment des politiques qu'on mène au niveau de nos territoires. On l'a vu, on vient d'élaborer notre analyse des besoins sociaux. Et donc, il faut effectivement nous faire confiance quelque part. Sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que y compris quand on est éligible, on finit par plus demander, en fait. J'entends de plus en plus le non-recours au droit. On entend cette expression-là par rapport à des dispositifs d'aide, et notamment de la part, qui s'adresse aux plus précaires et aux plus fragiles de nos concitoyens. Ça existe aussi à l'échelle européenne? Vous avez des infos là-dessus
des aides qui ne sont pas sollicitées, alors, dont on se dit bah, finalement, il y avait une ligne européenne qui existait, on aurait pu. Sur le FSE, au département, on va chercher tout ce qu'il est possible d'aller chercher. Et par contre, je rejoins Madame Le Callennec sur la complexité des dossiers et la pénibilité aussi pour les partenaires, d'une certaine manière, de remplir ces dossiers qui sont complexes, structurants, mais complexes, et qui sont en plus un peu, on va dire, aussi complexifiés par l'État qui en rajoute sur les pièces justificatives et l'annualisation systématique de ces pièces qui rend le travail très très compliqué malheureusement pour les partenaires et pour nos équipes aussi au département qui, il faut le dire encore aujourd'hui, sont finalement un peu sous-staffés par rapport à la masse administrative de documents qu'il y a à fournir. En revanche, il est vrai que nos administrations, il me semble, ne sont pas aujourd'hui totalement optimales en matière de recherche de financement européen. Et je pense qu'il existe beaucoup d'autres outils que les collectivités françaises ne vont pas chercher aujourd'hui. On sait que les Espagnols, les Allemands sont plus... Plus véloces ou plus agiles ? Plus véloces, plus agiles, plus habitués. Peut-être ont aussi un État qui leur en demande un petit peu moins aussi et qui n'en rajoute pas. Il faudrait vérifier. Mais, et c'est vrai que c'est dommage parce que pour le coup, ces fonds-là sont quand même, quand ils arrivent, évidemment très structurants, indispensables. On parlait de non-recours, et bien par exemple, sur le non-recours à différentes aides sociales, on porte au département un projet de revenu de base pour limiter le non-recours des personnes qui ne vont pas en bénéficier. Et typiquement, il existe des dispositifs que nos collectivités ne vont pas chercher. Il faudrait certainement qu'on renforce notre ingénierie en la matière pour aller chercher ces financements. Donc c'est une piste à suivre. Merci Nicolas Perrin. On parlait justement du territoire de Vitry. Alors on a la chance d'avoir sur ce plateau deux acteurs hein, de terrain. Avec vous, Franck Neveu, vous êtes le responsable du service insertion. Et puis à vos côtés, Catherine Alain, qui est la directrice du centre social de Vitry. Franck, on va peut-être commencer avec vous. Vous avez le micro. Vous avez monté une opération, si j'ai bien compris, qui a pu justement bénéficier d'un soutien de l'Union européenne dans le cadre d'un chantier d'insertion sur le territoire de Vitré, c'est bien ça ? Alors oui, bonsoir à tous. Donc Franck Neveu, responsable du service insertion à Vitré Communauté. Je gère donc notamment le chantier d'insertion Vitré Communauté qui existe depuis 1993. Vous avez quelques lignes de présentation derrière en fait. Hein, et effectivement, depuis 1993, mais plus particulièrement depuis 2014 en fait pour ce qui me concerne, le chantier insertion sollicite chaque année auprès du programme opérationnel national du FSE, facilité par aussi la gestion globale du département, en fait, hein, sur l'ensemble des services. C'est un bon exemple. Hein, voilà. Vous avez vos relais, là. Il y a un facilitateur. Et chaque année, donc, le chantier insertion, au titre, évidemment, de l'insertion dans l'emploi et de la lutte contre l'exclusion, en fait, que constitue cet outil, est aidé par les fonds européens, notamment, enfin précisément d'ailleurs, hein, sur les postes d'encadrement direct des personnes qui sont encadrées, accueillies au chantier d'insertion. Alors je crois que nos confrères de France 3 vous avaient interviewé il y a quelques temps pour présenter justement la démarche. Le petit film est sur votre site. Je vous propose qu'on le regarde ensemble et puis on se retrouve juste après pour que vous nous expliquiez le lien justement avec l'Europe, dont d'ailleurs il n'est pas question dans ce reportage. C'est maintenant. Ils sont une vingtaine à faire partie du chantier d'insertion, orienté ici par Pôle emploi ou la mission locale. Les équipes se forment le matin dès 8h, embarquent le matériel et filent dans la campagne. Ce jour-là, direction Tailly. Christophe, David et Paul vont rafraîchir un bout de chemin, rendre une piste agréable et éclairée, comme ils disent. Les outils vrombissent, les corps s'activent. Pierre-Marie les accompagne pour leur apprendre un métier, mais surtout pour les aider à se remettre en route. Déjà, le premier but, c'est de les faire venir au travail, qui se lèvent le matin, parce qu'il y en a certains, ça fait quelques années, qui n'ont pas travaillé. Et ensuite, pour remettre aussi, on a eu des décrochages scolaires, donc c'est de leur retrouver une formation pour qu'ils retrouvent derrière un travail. Mon parcours n'est pas très...
il est pas très grand, quoi. J'ai arrêté les cours jeunes en CM2. Et puis dès mes 18 ans, j'ai commencé à aller faire quelques boîtes intérim, chercher un peu de boulot, droite à gauche. Des problèmes de santé, familiaux, ont provoqué cette rupture avec l'emploi. Pour ces hommes, la réinsertion représente une étape. C'est reprendre confiance en soi déjà, parce que il y a eu des jours qui n'étaient pas terribles, on va dire. Donc après, ça redonne du courage et de la force, quoi. La réinsertion m'a aidé à me remonter, quoi, on va dire. C'est plutôt pour le moral, physique, tout ça. On est une bonne équipe. Et puis après, voilà, comme je dis, on travaille quand même pour des trucs où c'est intéressant à faire. On est en pleine nature, on n'est pas en ville. Le petit groupe reprend la route. Paul savoure le cadre dans lequel il évolue 28 heures par semaine. Non, je suis pas... Ouais, ça toute la journée, c'est ça qui est tout dans le taf aussi. Ça m'a permis de recommencer à travailler sans avoir une pression intense et travailler malgré que c'est quand même intense, c'est physique, c'est agréable. Mais surtout, il n'y a pas le côté usine. Ils sont plus patients quand même que dans une entreprise traditionnelle. Pour se relancer après 6-7 ans de chômage, c'est une bonne perspective pour moi en tout cas. Le travail paysager n'est qu'un début. Tous feront des stages dans d'autres domaines. Pendant ce contrat au chantier d'insertion qui peut durer jusqu'à 2 ans, chacun se dessine une nouvelle voie. Voilà, pour ce reportage, on voit bien, Franck Neveu, dans les témoignages qui ont été recueillis là, que l'action qui est menée par ces chantiers d'insertion et vos équipes contribue à redonner confiance, à restaurer une forme de dignité aussi chez les personnes qui le suivent. Et je le disais, en lançant le sujet, il n'est pas question d'Europe. En tout cas, pas dans ce reportage. C'est un oubli, c'est parce que c'est trop compliqué à raconter en si peu de temps. Comment vous l'expliquez ? Vous avez aperçu les logos européens sur le site, vous voyez derrière. Sur le site, ouais. Sur le site, ils sont bien. Non, mais le reportage, en l'occurrence, vous l'avez vu, était intitulé « Flâner sur les bords de, sur les bords de Vitré voie verte, ouais, et en particulier ça. Sur les sentiers de randonnée », portait plutôt sur le tourisme, en illustrant plutôt comment prendre soin de la nature à Vitré et aussi des hommes, en fait, en même temps. Donc, ce n'était pas l'angle de communication choisi. Mais il n'empêche que, les activités du chantier d'insertion aujourd'hui, elles sont effectivement très visibles, elles contribuent au cadre de vie du territoire et puis elles remplissent les cases de lutte contre l'exclusion et d'insertion par l'emploi. Donc on est bien dans le FSE. Donc on est bien dans la thématique du FSE et on coche les cases chaque année. Alors, vous en parlez, vous, en tant que directeur, justement, avec vos équipes, avec vos interlocuteurs, de cette dimension-là, de ce soutien apporté par l'Europe, qui est une manifestation très concrète, finalement, de l'action européenne. C'est facile d'en parler ou ça reste compliqué ? Alors, c'est pas la première chose qu'on aborde, vous dites bien, l'accueil de nos salariés, même si, en fait, c'est incontournable. Puisque dans les attendus, il y a une obligation de publicité, la contrepartie, elle est là. Et j'allais dire, elle se traduit pas seulement sur des logos, mais dans la communication, dans tous les documents, sur les véhicules, vous avez peut-être vu, sur les entretiens d'émargement. Donc ça, c'est les contraintes nombreuses et variées. Ça fait partie de traçabilité des entretiens avec les salariés en chantier d'insertion, dans le but évidemment d'améliorer leur parcours et d'aller vers l'emploi durable. Mais ils sont informés individuellement, collectivement. Mais ensuite, j'allais dire, c'est l'insertion par l'emploi. Et le but, c'est d'aller vers l'emploi durable et à travers la plus-value que constitue le chantier, c'est-à-dire un double accompagnement, encadrement technique, puisqu'on accompagne des gens qui n'ont aucune formation en la matière, et pour aller vers un emploi qui ne soit pas forcément d'ailleurs dans les espaces verts, mais avec un projet individualisé, en fait. Hein. Donc il y a un encadrement technique. J'ai deux encadrants d'ailleurs qui sont présents avec moi. Merci ce soir, d'être avec nous. Pierre-Marie et Antoine que je salue. Puis il y a un accompagnement social en fait. Hein, et c'est sur ces postes-là que l'Europe en fait finance ces postes-là à hauteur d'environ 60% en fait des dépenses de personnel. Hein. C'est de l'Europe concrète ça d'une certaine manière. C'est de l'Europe concrète effectivement. Même si il y a cette complexité, je rejoins en fait qui est là. Elle vous pèse ? Elle est pesante parce qu'elle est, elle peut être imprévisible et changeante, fluctuante. Et fluctuante, c'est-à-dire que un des axes d'amélioration, c'est pour être la présence de l'Europe sur les territoires. Alors, vous êtes là aujourd'hui, ce soir.
le département est facilitateur également, mais j'allais dire, les structures importantes, structurées, qui savent gérer de la subvention, répondent aux appels à projets sans difficulté. Moi, ce que je constate depuis quelques années, c'est que les petites structures, en fait, elles ont eu beaucoup de mal. Et alors là, je n'ai pas de vision du tout, mais j'ai quelques exemples en tête, hein, de petites structures qui n'ont pas pu, en fait, être sur le cœur de métier et la source de financement dans l'objet de l'insertion, en fait, hein, de l'Europe. Et là, c'est aussi un axe d'amélioration, certainement, sur des petites structures qui peuvent avoir aussi des initiatives en la matière, en fait. Hein. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très concret. À vos côtés, Catherine Alain, vous êtes la directrice du centre social de Vitré. Je le disais en vous présentant, c'est l'un des plus grands centres sociaux d'Ille-et-Vilaine. Vous m'avez donné quelques chiffres qui permettent de le mesurer. Hein, 1,6 million d'euros de budget annuel, la moitié financée par la ville de Vitré d'ailleurs. Une action ancienne depuis 1980, je crois, vous êtes active sous la forme d'une association, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était effectivement la volonté des élus de créer un centre social sur le pays de Vitré. Et aujourd'hui, on est recentré sur Vitré et il y a eu un transfert, effectivement, à une association. La vocation d'un centre social, elle n'est pas forcément très bien connue comme ça d'emblée. Je ne sais pas si on faisait un petit sondage dans la salle, est-ce qu'on aurait les bonnes réponses? Ce n'est pas certain. Ça recouvre quelle mission? Alors, c'est vraiment le souhait d'être un foyer d'initiative des habitants, donc de porter effectivement des projets collectifs. Et donc, effectivement, on a des missions de base, hein, qui sont effectivement l'accompagnement des familles, l'appui à la parentalité. C'est pour ça aussi qu'on a un agrément par la CAF. Et puis, donc cet accompagnement des familles. Et c'est vrai que sur Vitré, donc il y a eu d'autres demandes, hein, de services par la ville. Donc on a un accompagnement de la vie associative qui est très fort. Et on a aussi des outils très importants dans le domaine du développement de la petite enfance. Oui, ça c'est important. Solidarité, ouais. Petite enfance, c'est des axes forts chez vous. Alors je voulais juste vous dire, quand on parle de l'effet levier du FSE, donc moi dans une vie antérieure, ouais, comme voilà. Je vous disais, j'étais directrice d'un plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc ici, effectivement, quand la ville, donc je n'ai pas de fonds européens aujourd'hui, quand la ville me finance effectivement 1 euro, il y en a 2 qui sont reversés sur le territoire, parce qu'on est 80% de services, 95% de nos salariés habitent sur le territoire. On est donc dans l'économie circulaire, là, voilà, le circuit court. C'est ça. Et effectivement, quand j'étais directrice d'un PLI, j'avais fait le même calcul pour 1 euro versé par ma communauté de communes. J'en versais 3,5 sur le territoire. Donc l'effet levier, il est bien là. Voilà. Après, c'est vrai que c'était un territoire sur lequel il y avait quand même 13% de chômage, avec effectivement des beaucoup taux d'illettrisme, voilà, et très rural aussi, donc des problèmes de mobilité, de logement très importants. Alors vous nous disiez qu'effectivement, parmi les initiatives et les actions qui sont les vôtres, la solidarité occupe une place de choix, oui. L'attention portée à la petite enfance également. Vous pouvez nous donner des exemples concrets sur ces deux domaines? Oui, alors c'est vrai qu'au centre social, on est vraiment au cœur du social et de l'économie, donc avec des actions de solidarité qui visent avant tout aussi à lutter contre l'isolement des personnes. Et puis je me dis qu'on est complémentaires, et c'est effectivement avec les professionnels qui accompagnent les demandeurs d'emploi et les gens en insertion, puisque ces outils de solidarité profitent aussi à des personnes qui ont des minima sociaux, donc beaucoup de bénéficiaires du RSA, qui nous sont orientés par les travailleurs sociaux. Donc on a une boutique, des bénévoles qui trient des vêtements qui nous sont donnés par les habitants, et on connaît la grande générosité des Vitréens. Donc ces bénévoles trient avec beaucoup d'attention et valorisent effectivement ces vêtements dans une boutique. Et notre souhait, parce que c'est vrai que pour avoir travaillé dans l'insertion, souvent les publics sont assez stigmatisés, hein, on leur colle cette étiquette de demandeur d'emploi. Là, tout le monde peut aller chez vous? Que les deux, que effectivement des personnes orientées, parce que les prix sont très très bas, mais en tout cas ils sont reçus avec toute la dignité, et le souhait des bénévoles, c'est vraiment que les gens puissent acheter comme dans une boutique classique. Donc nous, on ne parle jamais de difficultés d'insertion que rencontrent les gens. Il y a effectivement des travailleurs sociaux qui les accompagnent et des encadrants de chantier. On a aussi donc le même principe sur des jeux et des jouets. Et là, effectivement, c'est une vente à Noël, pareil, qui permet à des personnes vulnérables d'offrir un Noël digne à leurs enfants.
Et puis sur le social et l'économie aussi. Alors, c'est vrai que c'était une sacrée organisation, je vous avoue. Il y a pendant plusieurs années, il y avait une bourse puériculture. Donc, il y a toujours une bourse aux vêtements qui va être reprise là par une autre association. Et donc, on avait plus de 180 bénévoles qui triaient pendant 3 jours des vêtements apportés par les familles. Ça crée du lien social, ça, ouais, hein, pour les ranger par taille, par sexe. Et effectivement, comme ça, une vente à leur tout public. Et ça permet effectivement du réemploi de Vous voilà, en parlez au passé, parce que circulaire. Le Covid étant passé par là, il y a peut-être eu une interruption, Alors, c'est on ça a, voilà, les bénévoles, déjà en fait, la veille du confinement, hein, ils étaient en train d'aménager le parc expo. Donc je suis allée les voir pour leur dire, ben non, on va pas pouvoir continuer. Donc beaucoup se sont démobilisés aussi, parce que c'était quand même une majorité de personnes âgées, donc fragilisées par le Covid. Et donc on est reparti sur une autre formule qui est un vide-grenier maintenant. Et c'est pas du tout le même public du côté des familles, c'est pas du tout, voilà. Et par contre, les bénévoles, ils trouvent toujours leur intérêt à faire du lien et aider les familles. C'est intéressant votre témoignage, Isabelle Le Callennec. Quand on entend, alors on entendait Catherine nous dire on n'a pas d'aide directe du FSE, mais on est, là, pour reprendre votre expression, on coche toutes les cases là quand même, hein, des orientations prônées par le FSE par exemple. Et on pourrait imaginer que peut-être indirectement les fonds dont bénéficient Vitré et Vitré Communauté peuvent servir à ce type d'initiative, non, in fine, dans l'accompagnement que vous faites par exemple du centre social. En fait, qui dit social ne dit pas forcément aller chercher des sous, des subventions. On l'a vu à la faveur de ce qui vient de se produire et qui se poursuit en Ukraine. La générosité vitréenne, elle n'a pas attendu, en effet, des aides et des subventions pour s'exprimer lorsqu'il a été question de faire une collecte, y compris en matière de dons financiers pour aider à la fois les Ukrainiens, mais aussi les Polonais qui reçoivent les Ukrainiens, etc. Je pense que ce qui est important dans un territoire de proximité comme le nôtre, c'est justement que toutes les bonnes volontés, que ce soit les individus eux-mêmes, ou les institutions aient cette sensibilité à se soucier des autres, ceux qui vont a priori moins bien. Donc oui, il y a des actions qui sont menées évidemment par le centre social. Ce qui me paraît important aujourd'hui, il était question des appels à projets. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est parfois critiqué, les appels à projets, parce que précisément, on coche pas toujours toutes les cases. Oui, vous avez noté ce mot-là pendant lorsque c'était prononcé, moi aussi je l'ai écrit sur mon petit papier. Parce que c'est quelque chose qu'on évoque au département, à la région. Je vous disais tout à l'heure, on a réalisé notre analyse des besoins sociaux à Vitré. Donc oui, on est un territoire avec un très faible taux de chômeurs, mais ceux qui aujourd'hui sont au chômage sont plus éloignés de l'emploi. Donc on a, nous, à mener des actions en direction de ces personnes en particulier. Et l'exemple qui vient d'être donné sur les chantiers d'insertion est très intéressant. Dans cette analyse des besoins sociaux, on a aussi remarqué que notre population a vieilli, comme partout dans les territoires. Et ce que je trouverais intéressant, moi, c'est que justement les fonds 2021-2027 de l'Union européenne nous aident à accompagner des politiques en faveur donc des personnes plus âgées. Je note qu'il y a une volonté d'un taux d'emploi supérieur à 60, enfin, qui va jusqu'à 70%. C'est le taux d'emploi des femmes, des jeunes, mais aussi, et on le voit dans certains pays du Nord, parfois des personnes plus âgées. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller ? Je pose une question. Sur la petite enfance et la jeunesse, là aussi, on a à travailler. On a notre jeunesse à Vitré qui va bien. On a une jeunesse qui va peut-être moins bien et qui a probablement assez mal vécu ce qui vient de se produire avec le Covid. On voit bien qu'on a des problématiques. Et j'ai entendu le mot de santé, je l'ai retenu, de santé mentale. Qu'est-ce que aujourd'hui le programme 2021-2027 peut nous apporter, ça me paraît important. On a aussi identifié qu'on accueille à Vitré de plus en plus d'étrangers. On a des demandeurs d'asile, on a des personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Et donc, et là aussi, et vous l'avez dit dans FSE+, il est question justement d'accueillir des populations qui viennent d'autres pays, et on a besoin là aussi, les associations, les institutions, de pouvoir faire face, de leur proposer de l'insertion. Vous n'avez pas à ce stade d'informations très précises. Alors, c'est ça. On aimerait pouvoir rentrer dans les programmes, partir de nos besoins d'un territoire. Voilà, Vitré, c'est pas Colmar, c'est pas Carhaix, c'est pas Toulouse, c'est Vitré. Et donc, on voudrait
pouvoir identifier dans les projets 2021-2027 ce qui peut nous correspondre, donc par rapport au vieillissement, par rapport, parce que je disais, on est un pays qui vieillit, pays de Vitré, mais aussi on a une population jeune, très jeune. Comme il y a de l'emploi, on attire des personnes de l'extérieur, et notamment des familles de l'extérieur, mais on a aussi 800, moi ça m'a frappé quand on a fait l'analyse des besoins sociaux, 800 familles monoparentales. Donc là, il y a vraiment un accompagnement. Encore une fois, il n'est pas que financier. On n'attend pas toujours tout des autres et de la finance. Il est aussi déjà de faire le diagnostic et de le partager. Après, de se dire ce qu'on a fait dans l'analyse des besoins sociaux, quelles actions on va mettre en place, actions nouvelles pour faire face à ce qu'on a observé. Et après, on va chercher effectivement des financements là où ils sont, déjà chez nous, le département, la région et l'Union européenne. On n'oubliera pas, si l'Union européenne nous aide, de mettre le logo et d'en parler. Mais voilà, je pense que pour faire aimer l'Europe, il faut que ce soit concret. Voilà. Et c'est des soirées comme celle-là. Uh-huh. Et alors, c'était rappelé d'ailleurs par l'intervenant tout à l'heure, Yiri, dont j'ai oublié le nom, Yiri Plecetti, oui, qui évoquait justement la guerre à nos frontières. Et vous venez de le rappeler aussi, les élans de solidarité auxquels on assiste en direction des réfugiés ukrainiens. Est-ce que justement cette fragilité, là, tout d'un coup, qu'on perçoit, fragilité de l'Europe, peut paradoxalement renforcer l'intérêt qu'on va porter à cette nécessaire cohésion? Ça m'intéresserait d'avoir votre opinion là-dessus. Isabelle, vous pouvez répondre, et puis bien sûr les autres aussi. Oui, forcément, on voit que l'Europe est présente, l'Europe essaie de trouver des solutions, l'Europe essaie déjà d'obtenir le cessez-le-feu, ce qui serait quand même la première des étapes. Et chacun ici est inquiet, en fait. Et vous avez aujourd'hui, en France en particulier, peut-être moins Vitré, mais quand même, toujours la peur du déclassement, la peur de tomber dans la pauvreté, la peur de ne plus pouvoir assumer. On voit aujourd'hui l'augmentation des prix à tous les niveaux, l'alimentation, l'énergie, l'habitat. Enfin, voilà. Donc, vous avez des personnes pour lesquelles la fin du mois, elle est fragile. Alors, dans un territoire comme le nôtre, j'ai envie de dire que c'est encore assez facilement contrôlable, et parce que on a beaucoup d'associations, parce que on est très présent sur le territoire, parce qu'on est à taille humaine, en fait, et donc c'est plus facile finalement de repérer les dits invisibles. Il y a des signaux faibles qu'on détecte plus facilement. Oui, voilà. C'est parfois plus difficile dans d'autres secteurs parce que le taux de chômage est très élevé. Nous, on part du principe que la première des inégalités, c'est le chômage. C'est pour ça que pendant des années, Pierre Ménery, je vais le citer. On n'avait pas encore cité ce soir. Le social et le taux de chômage là où il est, aujourd'hui, on lui doit cette mobilisation générale et cette obsession de la lutte contre le chômage. C'est une obsession. Donc, qui s'est inscrit dans la durée. Particulièrement saine, la preuve. Mmh. Voilà. Et donc, le travail, c'est aussi la dignité. Alors, pas n'importe quel travail, pas n'importe quelle condition, évidemment. Mais voilà, donc, c'est un des objectifs de l'Union européenne qui est donc partagé par nous. Le travail des jeunes. L'insertion par l'économique, comme on dit, en matière technocratique. Et on y croit beaucoup ici. Mmh. Voilà. Et comme il y a des freins parfois au travail, c'est ça qu'on essaie de lever un par un. Les chantiers d'insertion sont aussi là pour l'insertion sociale et professionnelle avec tous les acteurs. Ce désir d'Europe, Nicolas Perrin, vous le ressentez aussi dans les échanges que vous pouvez avoir à l'échelle départementale et avec les territoires que vous commencez à bien connaître maintenant dans le cadre de votre mandat ? Le désir d'Europe, il est très présent, oui, chez nos élus dans l'ensemble. Je crois que peu de personnes remettent en question ce besoin-là aujourd'hui, même si après on peut avoir des avis sur la façon de faire, bien sûr, mais il se trouve que j'ai aussi travaillé 7 ans en Afrique de l'Ouest à gérer des projets européens d'ailleurs, et pour le coup on voit vite que la place de la France aujourd'hui dans l'échiquier international n'est plus ce qu'elle était peut-être à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et que toute seule aujourd'hui un État comme la France ne pourrait pas grand-chose, ne pourrait pas peser sur beaucoup de décisions internationales sans l'Europe. Il n'y a guère que la Chine, les États-Unis et la Russie, on dirait bien, qui peuvent peser aujourd'hui de façon assez conséquente. Donc le désir d'Europe, je crois qu'il est essentiel pour notre pays
et pour nos voisins, pour structurer, résister et finalement construire une identité nouvelle qui nous ressemble et qui peut bien sûr être plurielle au milieu de beaucoup d'identités européennes, nationales, régionales, brétiliennes. Qui sont importantes également. Et d'ailleurs, je regrette toujours que dans les différents cycles électoraux, on parle aussi peu d'Europe quand le sujet est pourtant aussi structurant pour nos États, pour nos collectivités aussi. Et je crois vraiment qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette le paquet là-dessus. Donc c'est, je suis très heureux de participer aussi à ce genre de table ronde parce que c'est important. Vous pouvez rajouter, puis j'irai voir aussi Franck et Catherine. Vous m'y faites penser. Vous voyez, il y a une politique que l'Europe soutenait autrefois, qui était les jumelages. Oui. Je parle devant vous, Annie. Grâce aux jumelages, on a pu emmener de la marchandise, des dons, etc., dans notre ville jumelée en Pologne, qui elle-même est jumelée avec une ville d'Ukraine. Et qui elle-même reçoit des Ukrainiens et de très concrètement façon, là, oui, et ça c'est ces jours-ci. Voilà, eh bien, grâce au jumelage circuit court, comme on dit, on est jumelé à Vitré avec 8 villes, et je crois que ça crée soutient. Du lien. Mais oui, c'est extrêmement important. Nos 3 ambassadeurs qui témoignaient ce matin de leurs 3 jours, puisqu'ils ont mis 3 jours pour y aller, étaient assez révélatrices de ce besoin justement de mieux se connaître. C'est faire l'Europe pour parler peuple. Pourquoi l'Union européenne ne soutient plus les jumelages? Voilà, il faut peut-être qu'on les réinvente, il faut peut-être qu'on les pense d'une autre manière. On les dépoussière d'une certaine manière, mais l'esprit, lui, est toujours là. Ouais, ouais. C'est drôlement important pour l'interconnaissance. Et on éviterait effectivement le repli sur soi. Le mot fraternité, il faut bien qu'il soit incarné quelque part. Et donc, moi, je trouve dommage que l'Union... Vous me dites si je me trompe ou si on n'a pas vu le dossier à remplir pour être aidé dans nos jumelages. Mais voilà, je pense que dans les pistes d'amélioration, et vous m'y faites penser, c'est... Les jumelages, non mais c'est important, la Maison de l'Europe est attentive à votre propos, ça sera noté sûrement. Nicolas ? Moi aussi, dans les pistes d'amélioration, je trouve qu'il faudrait une meilleure prise en compte du bénévolat, du nombre de bénévoles. Ça, ça va parler à vos voisins. Du lien social qui se crée au sein des projets, parce qu'aujourd'hui, c'est finalement... pas quantifiable avec nos grilles comptables habituelles. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas, c'est ça ? Oui, bien trop, malheureusement, alors que pourtant, on a vu durant ces dernières années à quel point les échanges, les relations humaines sont importantes. Et ce bénévolat qui est quand même vraiment aussi très particulièrement puissant en Bretagne, ça fait sens, ça fait société. Moi, je trouve ça toujours très impressionnant, qui est menacé, en plus, qui plus est... à la suite de cette période Covid, qui selon moi ne se remplacera pas par un volontariat imposé non plus. Je crois qu'il doit être absolument valorisé aussi, notamment via... C'est un mot qui vous parle, hein, ça, Catherine, Alain, bénévolat. Vos 13 administrateurs, ils sont tous bénévoles au Centre social de Vitré. Oui, c'est le principe même d'une association à but non lucratif. Et après, effectivement, alors il y a eu une grande chute avec la Covid, mais c'est vrai qu'on a à peu près 90 bénévoles. Et ça, donc on valorise effectivement l'ensemble des heures travaillées au SMIG, hein, c'est la règle comptable. Ouais. Et c'est vrai que je ne sais plus, je vous avais indiqué, ça doit faire 48 000 euros pour 2021, oui. Alors qu'effectivement on était à plus de 140 il y a quelques années. Ouais. La question que j'avais envie de vous poser à tous les deux, d'ailleurs à Franck aussi, c'était justement la perception de cette entité européenne par vos publics à vous. On se dit, est-ce que c'est tellement techno que finalement ça parle pas, ou alors au contraire, est-ce que quand on fait des chantiers concrets, quand on engage des actions qui se voient, tout d'un coup ça rend l'Europe un peu plus proche? Franck pas facile, hein? Oui, c'est pas facile en fait, hein. Les publics qui sont accompagnés par l'insertion et par le travail, c'est loin de leurs préoccupations, en fait. Hein. C'est, malgré le fait que tous les jours, ils ont le petit drapeau européen sous les yeux. C'est très difficile, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout leur quotidien. C'est très éloigné. C'est pas relayé. Évidemment, il y a l'action concrète d'encadrement qui permet l'évolution de parcours et
d'aller vers l'emploi durable. Je pense qu'on est plus sur votre première proposition. Et vous auriez besoin, justement, vous ressentez le besoin avec vos équipes de trouver peut-être les mots pour en parler ou d'avoir être un peu accompagné pour pouvoir rendre cette dimension européenne plus accessible, finalement. C'est vrai que le travail de l'insertion en général est peu visible, en fait. Hein. On a les logos européens sont là. Le travail social, le travail d'insertion, il est pas visible, il est valorisable, il est communicable. On a tous à s'améliorer là-dessus. Mais pourtant, vous avez des histoires à raconter. Il est quantifiable aussi, puisque je peux vous annoncer 65% de sorties dynamiques, par exemple. Super. Donc ça, c'est très bien. Et ça progresse Ça progresse, bien sûr. Là, surtout depuis cette année là. L'Europe est assez loin des territoires quand même et des préoccupations des personnes, des publics ciblés là par les programmes en fait. Hein, même si on a l'impression qu'il y a un chaînon manquant. D'un côté, il y a des grands principes, des grandes actions. De l'autre, des résultats. Et puis entre les deux, on a du mal à faire connecter les deux dimensions. Donc, il y aurait peut-être une présence plus importante sur les territoires, hein, au-delà de la réunion publique, de facilitateurs, des petites et moyennes structures, de représentants de l'Europe. Alors une super maison de l'Europe et des déclinaisons locales et des appuis aux collectivités et aux structures. Mais on entendait la conclusion de Barbara Niali tout à l'heure qui nous disait, mais finalement, emparez-vous de tout ça. L'Europe, c'est vous. Hein, c'est nous ici ce soir. C'est vous dans vos actions et vos publics. Donc, il y a un travail de pédagogie. Ce n'est pas nouveau. Hein, on le dit depuis 50 ans. Mais peut-être qu'il y a des nouvelles manières de mettre en récit, comme on dit aussi maintenant, ce genre d'initiative. Oui, Isabelle, vous souhaitiez... Sur l'agriculture, je ne rejoins pas tout à fait. Je ne sais pas non plus si Jomena aura la même analyse. Mais ce n'était pas le sujet, l'agriculture. Monsieur Dorin m'avait dit, on ne parle pas d'agriculture. Alors, je ne parle pas d'agriculture. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, si on attend la veille des élections européennes pour parler d'Europe, d'abord, ça n'imprime pas. Et c'est rarement concret puisqu'il y a des arrière-pensées derrière. Ouais. Donc oui, il faut pouvoir en parler. Donc je vais faire très attention à Vitré Communauté. Maintenant, quand on parlera de l'insertion, du chantier d'insertion, je dirais bien Europe. Je pense qu'il faut l'incarner, il faut le démontrer, il faut aussi, y a toute l'intervention, il y a des enseignants ou des anciens enseignants dans la salle aussi, l'intervention dans les collèges, dans les lycées. Donc je pense que il faut en parler un peu tout le temps en fait pour que ça devienne une réalité et que ce soit concret. Merci beaucoup. Alors, vous dites effectivement que dans la salle, il y a des différents acteurs du milieu associatif, des enseignants, etc. On peut prendre le temps, et puis la configuration de cette salle, finalement, nous le permet assez facilement. Et si vous avez des questions, des témoignages, des réactions à ce qui vient d'être dit, des attentes aussi, peut-être dans les différentes structures qui sont les vôtres, par rapport à ce besoin ou ce désir d'Europe dont on parle depuis le début de la soirée. Évidemment, dans le champ de l'économique et du social, vous avez bien compris que c'était notre thématique ce soir, faut pas hésiter, vous levez la main, je viens vers vous avec le micro, vous vous présentez, c'est plus sympa, même si j'ai bien compris qu'ici tout le monde se connaissait plus ou moins, et puis si votre question s'adresse plus particulièrement à l'un ou à l'autre des intervenants, vous pouvez également le mentionner. Qui veut se lancer? C'est toujours la première question qui est la plus difficile dans ce genre d'exercice. Est-ce que vous souhaitez réagir, compléter peut-être? Vous êtes d'une équipe, voilà, je vois l'équipe des chantiers d'insertion là qui sont là. Et vous étiez dans le film tout à l'heure, dans le reportage. Hein. C'est pas très Covid, on va se partager le micro comme ça. Oui, moi je tenais à vous dire que vous parliez de l'Europe et que les personnes, si on leur en parlait, je tenais à dire que ces personnes-là, ils ont déjà pas mal de problèmes à gérer dans leur quotidien, tout ce qui est addiction, les problèmes financiers. Alors si on leur parle de l'Europe, ils vont me dire, qu'est-ce que tu me dis là, Pierre-Marie, là, c'est... Mais on leur... soucis, c'est pas la peine de rajouter. Ouais, c'est ça. Après, ils vont vite décrocher le. C'est intéressant d'ailleurs de le présenter comme ça. Ça montre que. Pour eux, ouais. Pour nous, oui, c'est important, mais pour eux, c'est pas leur priorité, quoi. Je n'ai pas trouvé de solution pour aborder le sujet. Si, on en parle avec la personne qui s'occupe d'eux quand une fois la semaine. Enfin, ouais, qu'on a des heures à respecter par rapport à l'Europe.
Donc on lui dit, il signe le papier, le petit papier. Là. Non, c'est pas une contrainte, c'est juste que c'est comme ça, quoi. C'est dans les mœurs, ils ont l'habitude de prendre le crayon, signer en fin de l'entretien, quoi. Donc voilà. Donc c'était, je tenais juste à dire que oui, ils ont assez de soucis à régler avant qu'on leur parle de l'Europe. Merci pour ce témoignage, mais qui est très révélateur. Hein. Aujourd'hui, l'Europe, ça reste encore compliqué, ça reste en surplomb. Je vous donne le micro. Michel Alain, je suis le président de l'ADMR de Vitré. Donc, on a mis en place en l'an 2000, à la demande de Pierre Ménéry, une garde d'enfants à horaire atypique, donc tôt le matin et tard le soir, donc avec des fonds européens. Donc on demandait les fonds européens en début d'année, un certain montant, on va prendre mettons 40 000 euros. On avait la réponse des fonds européens 3 ans après, avec souvent, même toujours, des montants inférieurs aux montants demandés. Ah oui, toujours. Et ça s'est complexifié en 2014. Hein, parce que donc on fait la demande à la DIREC, qui s'appelle maintenant la DRITS, qui après transmet le dossier à un organisme qui s'appelle Phare Conseil, hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui épluche les dossiers. Pour vous dire des exemples précis, il nous demande les factures, bon, le grand livre, les bordereaux de remise de chèque, les preuves de virement pour les clients qui nous payent, pour bien montrer que c'est payé, les fiches de paye, que des fois les salariés travaillaient tôt le matin pour faire la garde d'enfants ou tard le soir, mais en plus pouvaient travailler à la DMR au niveau aide à domicile. Il fallait justifier le partage de la fiche de paye entre la garde d'enfants et puis l'aide à domicile. C'est vraiment incroyable. C'était vraiment un temps à passer énorme, quoi. Alors, si bien qu'on s'est dit, on passe trop de temps, on a un montant accordé inférieur à ce qu'on demande. Dans les budgets, bon, on ne s'y retrouve plus. Donc, on s'est dit, on arrête. On a arrêté fin 2019. Donc, ça, c'est un échec, oui. Et c'est pas bon pour l'Europe, parce que l'image qu'on garde de l'Europe n'est pas très bonne. Bon, on peut peut-être la changer, mais c'est vrai que c'est pas... En 2000, la création... Alors, 2014, ça s'est vraiment complexifié en 2014. Et en 2019, on a arrêté. Non, actuellement, moi, j'ai pas d'infos. Peut-être qu'au niveau du conseil départemental, il y aurait plus d'informations. Mais là, pour l'instant, la programmation est lancée. Donc, c'est 2021-2027. Mais par exemple, le conseil départemental est encore candidat à cette programmation. Donc, en fait, il y a encore des choses qui avancent. Mais par rapport à ce projet, je n'ai pas assez d'expérience dans l'expertise et l'accompagnement des projets pour vous guider. Mais peut-être qu'au conseil départemental, il y aurait une personne qui pourrait vous accompagner. Non, mais on a constaté ce genre de phénomène de façon assez récurrente avec beaucoup de structures. C'est effectivement très fastidieux pour les structures de réunir l'ensemble des pièces justificatives. En plus, c'est tous les ans, les fiches de salaire pour certains métiers qui ne sont pas permanents, ça va être très, très compliqué. Oui. On a des situations, on a même des structures qui peuvent se retrouver en risque financier, puisque ayant mal interprété les règlements des dépenses, se retrouvent avec des dépenses inéligibles au remboursement. Et si le département ne venait pas à ce moment-là amortir en quelque sorte certaines situations, ces structures seraient en grande précarité, enfin en grand risque. Donc c'est effectivement des règles complexes qui sont en plus complexifiées par l'État français et parce qu'il faut que ce soit quelque part entendu et que les directions régionales de l'emploi elles aussi n'en rajoutent pas par rapport aux règlements européens qui sont déjà complexes et donc déjà ça soulagerait. Et ensuite de notre côté au département, on a constaté qu'il allait falloir renforcer nos équipes pour accompagner nos partenaires aussi vers cette professionnalisation de façon à rendre bénéfique l'accès. On y travaille, c'est pas voté encore, donc je ne peux rien dire. Et notre subvention 2019, on l'a pas encore reçue. On a reçu une partie, il y en a compte.
Et actuellement, donc, on est en train de voir, effectivement, de répondre à leur demande pour 2019. Donc, on est en 2022, donc 3 ans après. Merci pour ce témoignage. Vous souhaitiez compléter, Franck, peut-être ? Je gère un dossier FSE aussi pour la communauté de l'agglo, donc je vois bien, particulièrement sur le programme 2014-2021, en fait, les 3 premières années, on a eu une mise en route, on va dire, qui est difficile. Donc j'espère que la prochaine, qui se fait tarder, mais qui arrive a priori, sera plus efficiente dans les délais entre le dépôt du dossier et puis l'arrivée de la subvention. On était aussi dans ces délais-là à 3 ans. Et on a vu d'autres partenaires être en difficulté, je le disais tout à l'heure. Ça a eu pour effet, en fait, certainement, ce serait, alors on n'a pas le regard exhaustif là-dessus, mais d'optimiser les structures importantes qui peuvent dédier des chargés de mission là-dessus. Et de fragiliser, les petites structures qui escomptaient sur ces. Voilà, en faisant sortir d'ailleurs. Les responsables ou les directeurs de structure de leur cœur de métier pour aller chercher de la subvention, ce qui devient problématique en fait, puisque il y a pesé en fait le bénéfice risque en fait, hein, du coup, hein, et je partage complètement ce qui a été dit tout à l'heure, et donc du coup je pense que l'axe d'amélioration, c'était cité tout à l'heure, le mot de simplification, de relation de confiance, ces structures là sont déjà soumises à des dialogues de gestion avec l'État. Nous sommes conventionnés avec l'État. Donc nous rendons des comptes tous les ans. Ça pourrait être des supports en fait, qui seraient repris par les quantitatifs, qualitatifs et budgétaires, bien sûr, en fait, annuels, avec des indicateurs de performance, une subvention avec une modulation à la performance, y compris sur les structures d'insertion. On est bien là-dessus. Hein. Donc c'est des choses qui pourraient être reprises en fait, hein, par l'État. Il y a un conventionnement avec le département également. C'est-à-dire que cet exercice-là, finalement, il est répété un peu partout par les financeurs. Donc, vous voyez un peu, et de manière différente à chaque fois, et de manière plus accentuée et beaucoup plus justifiée sur les fonds européens, jusqu'à des positions de refus, hein, sur certaines pièces justificatives, puisque on nous demande quelquefois de justifier par au moins 4 à 5 moyens différents, jusqu'à demander, par exemple, les coordonnées bancaires ou de l'encadrant qui a reçu le salaire. Vous voyez un peu jusqu'où on peut aller, en fait. Ouais, donc, Kafka n'est pas loin. Pour attester même, hein. Alors, ça nous rassure sur le bien, les deniers publics vont bien. Et là, on en est sûr, c'est contrôlé. Et ouais. mais ça nous prend beaucoup de temps. Moi, j'ai calculé, c'est 18%, vous voyez, on a un équivalent temps plein. Là, tout support et c'est au détriment, finalement, de la mission première qui est poursuivie par vos structures. Ouais. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres réaction ou question? Oui. On est toujours dans le chantier d'insertion. Non, pour parler tout à l'heure des structures importantes qui ont pu fermer à cause de ces documents-là, on travaillait avec un partenariat qui s'appelait Inservolant, qui était une auto-école à but social. Donc c'était des bénévoles qui permettaient aux personnes en grande difficulté qui n'avaient pas accès à une auto-école traditionnelle, de pouvoir justement permettre de faire des cours de code, par exemple pour les personnes ne parlant pas la langue française, de faire des cours de code dans leur langue, ou bien des personnes qui n'avaient pas la capacité de lire ou d'écrire. Voilà. Et donc, cette structure-là a été obligée de fermer ses portes. Oui, elle était sur Vitré. Oui. Et donc, cette structure-là est obligée de fermer ses portes parce que son action principale était de former les gens à la conduite et pas de faire des dossiers. Donc à un moment donné, elle a décidé de fermer ses portes parce qu'elle n'était plus en capacité de répondre à cette demande-là. Ah bah c'est une relégation supplémentaire. C'est une... Tout si à fait. Je peux compléter, ils ont bénéficié de fonds européens pendant 5 ans. Et effectivement, à un moment donné, on leur a demandé des pièces qu'ils n'avaient pas. Et à partir de ce moment-là, ils sont effectivement sortis du... Ouais, c'est un cas que vous connaissez bien. Ah oui, ouais. Oui, ils ont fait partie. Dans le 1,7 million... Ils y étaient. Oui. Et c'est vrai qu'ils rendaient un vrai service. Un vrai service. Quand je parlais tout à l'heure des personnes beaucoup plus éloignées de l'emploi dans un secteur comme le nôtre, typiquement, on n'a jamais réussi à trouver le modèle économique de cette association. Il aurait fallu effectivement qu'il y ait, alors pas que des fonds européens, mais davantage de fonds,
de Vitré Communauté, du département, de la région, etc. Et oui, ça s'est arrêté et ça rendait un vrai service. Alors, le bilan que vous tracez les uns et les autres, il est plutôt sévère. Hein. Quand on vous écoute, on se dit, mais finalement, l'argent est là, mais les conditions d'instruction des dossiers sont devenues tellement complexes que finalement, ça en décourage même les meilleures volontés. Faudrait pas qu'on se quitte là-dessus. Et je pense que ce qui serait intéressant, peut-être dans les 10 minutes qui nous séparent de la conclusion de cette soirée, parce que ça a aussi l'occasion d'avoir ce type d'échange, c'est de faire remonter des idées de terrain. Et Magali est là pour aussi, avec la Maison de l'Europe, je pense, être le relais de ces initiatives territoriales auprès de tous vos contacts que vous avez à l'échelle de la commission, des directions générales, etc. Donc il y a peut-être des initiatives. Je sais qu'ici, à Vitré, vous aimez beaucoup, et vous avez raison de le dire, vous aimez les initiatives de bon sens, hein, les choses qui partent du concret, du terrain, et qui produisent des bons résultats. On en a évoqué quelques-uns au cours de cette soirée. Est-ce qu'il y a des initiatives, je me tourne vers vous, Catherine, qui vous dites, ben voilà, il y a des choses qui marchent, qu'on aimerait bien peut-être voir se développer. Si l'Europe nous écoutait là-dessus, ça serait peut-être plus facile, on serait plus efficace. On a parlé de circuit court tout à l'heure, hein, d'être un petit peu plus en réactivité directe. Est-ce qu'il y a des choses que dans votre vie professionnelle antérieure ou dans les fonctions que vous occupez aujourd'hui, vous viendrez à l'idée en disant bah tiens, ça c'est des choses qui marchent, ça serait quand même pas mal que ça soit dupliqué, on les a testées chez nous et ça donne des résultats. On n'a pas préparé, hein, évidemment, là je vous pose une question un petit peu comme ça, brûle pour point, mais non, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a la particularité du pays de Vitré et de Vitré. Et c'est vrai que moi, je suis quand même confrontée effectivement à Vitré, à ce taux de chômage, à ce taux d'emploi qui est très important et qui du coup crée aussi d'autres tensions. Et c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur la garde d'enfants. Donc nous, c'est un accueil des enfants. Hein, on tient effectivement à les accueillir. Mais les parents ont vraiment besoin effectivement qu'ils soient... Qu'il y ait des solutions. Qu'il y ait des solutions pour qu'ils aillent travailler. Et après, c'est vrai que nous, on met pas les publics dans des petites cases, hein. C'est un luxe que j'ai, parce que vraiment, même pour les personnes les plus âgées, hein, on ne demande pas leur GIR. Donc voilà, je ne demande pas qui est bénéficiaire du RSA, je ne demande pas qui est allocataire CAF, ou voilà, j'ai ce grand luxe. Mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on interroge les familles aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est vraiment de la qualité de temps ensemble. Hein. Et c'est vrai qu'on évoquait aussi les familles monoparentales. Et c'est vrai qu'entre autres, sur le territoire, je trouve qu'on a parfois des côtés où, même si on est une ville très active, il y a des personnes fragilisées qui ne quittent pas le territoire. Hein, par exemple, à Calais, il y a des enfants qui n'ont jamais vu la mer. C'est vrai qu'ici, parfois, il y a des enfants qui ne voient pas tout le quartier. Je trouve qu'effectivement, d'accompagner les familles vers des vacances, c'est extrêmement important. Et puis parce que je suis très attachée aussi à une association du territoire qui accompagne les personnes ayant des troubles psychiques, qui s'appelle Stratagème, qui est donc un groupement d'entraide mutualisé, où là c'est effectivement des personnes qui sont en grande précarité pour différentes situations de santé, mais qui du coup ont différents statuts. Et c'est vrai qu'eux, par exemple, ils aimeraient faire des choses ensemble, mais comme effectivement les locataires adultes handicapés dépendent du département, que effectivement certains sont retraités, donc ils dépendent, et en fait ils n'arrivent pas à faire des choses ensemble. Et je trouve ça bien dommage que... Et vous avez des idées pour justement les faire se rencontrer plus facilement ? Et je trouve que malgré tout, c'est aussi, oui, de nous faire confiance. J'ai aussi une pensée pour mon collègue directeur de mission locale, où lui, effectivement, tout le public aussi est saucissonné, orienté dans différents dispositifs. Et c'est vrai qu'au-delà aussi du travail de gestion dont on parle parfois des fonds, c'est aussi pour les conseillers de savoir si cette personne elle va être inscrite dans le RSA ou la garantie jeune ou un autre contrat. Et au fond, on aurait des subventions globales. Il y a suffisamment de contrôle. Oui, ça, c'est l'air d'être bon, ce côté-là. Ça c'est sera pas la simplicité. Voilà. Donc, il y a entre autres, quand même, au niveau départemental, la conférence des financeurs. Qui finance là aujourd'hui des actions en faveur des seniors, et même s'il y a effectivement de l'administratif à remplir, ça reste un financeur compréhensif. Très bien, donc on entend votre souhait pour effectivement peut-être faire davantage confiance aux acteurs de terrain et puis décloisonner aussi les différents publics pour leur permettre de se retrouver et de vivre
des expériences ensemble. Merci Catherine Alain pour cette piste. On la note, hein, celle-là. Elle est très concrète. Et là, votre Franck Neveu, votre suggestion, votre envie ou votre attente peut-être pour améliorer l'efficacité de ces initiatives. Et on a bien compris que la paperasse, c'était bien. Là, vous avez votre dose, mais il faut vous laisser du temps pour faire des actions de terrain sur vos chantiers d'insertion. Donc, moi, je vous disais, hein, la simplification, enfin, tout ce que je disais précédemment, mais... Oui, sur des programmes futurs, on sait qu'on a des enjeux et pour permettre aux personnes de trouver leur place dans la société, d'avoir un travail, une formation, une activité. Donc il y a un sujet de la mobilité, par exemple. Il y a des actions qui ne sont pas couvertes, justement, et dont on vous dit aujourd'hui, vous citez la mobilité, par exemple. Ça, c'est un point prégnant à l'échelle d'un territoire comme le vôtre. Oui, totalement, même si on peut dire qu'il est bien relié, bien connecté. Avec différents dispositifs et d'autres à venir, certainement, au niveau de la mobilité, mais là aussi, inter-institutions. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir trouver une cohérence, en fait, dans les dispositifs. En fait, hein. Par exemple, on réfléchit actuellement sur un projet de plateforme mobilité inclusive, en fait, à l'échelle du territoire, du pays de Vitré, avec justement cette approche assez globale, en fait, hein, de conseil en mobilité, d'à la fois de rendre accessible un permis de conduire, mais aussi de pouvoir avoir accès aux services existants, puisqu'ils sont nombreux. Et donc les connaître aussi, les avoir connaître, tout à fait. Toute la lisibilité pouvoir, d'une offre qui est parfois ça. Un petit peu compliquée. C'est ça, c'est aussi le saucissonnage en fait aussi, hein, sur ces dispositifs en fait. Hein. Les fameuses on pourrait AOT, presque les autorités organisatrices de transport, on s'y perd, hein, les collectivités connaissent ça par cœur, mais voilà, l'usager peut-être un peu moins. Et donc simplifier aussi et rendre plus lisibles les dispositifs existants. Vaste chantier, hein, il y a du boulot, mais on sait qu'on pourra compter sur vous pour éclairer là-dessus, et on entend la passion aussi qui vous caractérise. Nicolas, il y a du boulot, hein, aussi à l'échelle départementale. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire en effet, mais on voit bien que le conseil départemental en tant qu'organisation intermédiaire, le statut d'organisme intermédiaire devrait pouvoir effectivement avoir un peu plus de confiance de la part de l'Union européenne et de la DREDS pour pouvoir instruire peut-être les dossiers de façon un peu plus souple, pour que les partenaires puissent libérer leurs énergies et leurs innovations, puisque c'est quand même ça l'objectif. Et c'est d'ailleurs toujours très l'objectif triste. De l'Union européenne. On a entendu, hein, les propos de ses représentants tout à l'heure. C'est celui-ci, mais il y a un petit goulet d'étranglement. Et le département a son rôle à jouer. Encore faut-il aussi être entendu. Et notamment parce que, on entendait aussi tout à l'heure la formation continue, hein, l'objectif de formation tout au long continue, de la vie, qui est, je pense, extrêmement pertinent, puisqu'on le sait bien que les carrières sont plus fluctuantes pour tout le monde, et qu'il y a du travail, notamment dans des secteurs de rénovation énergétique, par exemple, qui sont des enjeux, on va dire, gagnant-gagnant à plus d'un titre. Dans les mobilités aussi douces et alternatives, il y a aussi des enjeux importants qui peuvent être très créateurs d'emplois dans l'économie circulaire. Enfin, pour et dire on n'a pas parlé d'agriculture, mais voilà. Moi aussi. Mais non, et voilà, donc c'est aussi des secteurs qui pourraient être concernés par ces chantiers d'insertion. Voilà, pour prendre le temps, parce que, enfin, quand même, ce que je trouvais vraiment formidable dans la vidéo tout à l'heure sur ces chantiers, c'est avoir à l'esprit que reconstruire la confiance des personnes qui sont en voie d'insertion, eh bien, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de reconstruire cette confiance, et c'est le boulot que vous faites, et c'est admirable. Oui, tout à fait. Merci pour le souligner de cette manière, Nicolas. Et donc, on sera attentif, effectivement, aux décisions prochaines qui seront votées par l'Assemblée départementale. Il y aura des choses à suivre, y compris sur cet engagement européen. Allez, dernier tour de table avec vous, Isabelle Le Callennec. À l'heure où on peut formuler peut-être, effectivement, des espoirs ou des attentes à l'égard de l'Union européenne, de ces fameux fonds sociaux européens, pour soutenir l'emploi et le social à l'échelle des territoires, votre attente particulière, principale, quelle est-elle ? Moi, j'espère qu'on va déjà pouvoir continuer à financer notre chantier d'insertion, qu'on va pouvoir trouver aussi d'autres missions d'insertion. Vous l'avez dit tout à l'heure,
pas beaucoup de femmes à ce chantier d'insertion, oui. Et on a des femmes aujourd'hui qu'il faut aider aussi. On a des projets particuliers de recyclerie. On est en train de travailler sur ces sujets-là. Oui. Dans ce que j'ai observé, moi, sur qu'on doit travailler, c'est l'inclusion, donc le handicap. Il se passe des choses intéressantes aussi, sur votre territoire. Oui, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà, c'est un peu comme les chantiers d'insertion. On n'en parle pas toujours, mais il y a des personnes que ça concerne directement. J'insiste sur la question de la santé mentale. Voilà, j'espère que ce sera pris en compte. Je parlais tout à l'heure de l'accueil des étrangers. Voilà, avec toute la notion de la langue, l'apprentissage du français, etc., pour bien s'insérer. Et il y a ici présentes des associations aussi qui luttent contre la pauvreté. Hein. On a ici les Restos du Cœur, on a ici une association de la solidarité vitréenne qui gère une épicerie solidaire. Voilà, donc oui, à Vitré, tout le monde ne va pas bien. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus facile, entre guillemets, à gérer parce que ça concerne moins de personnes, mais de plus en plus de personnes. Donc il faut qu'on soit très attentif à ça. Donc simplification, s'il vous plaît, si le mot pouvait remonter aux oreilles de l'Union européenne. Le message à transmettre. C'est la simplification, ouais. Faire confiance à la proximité, encore une fois, et peut-être nous aider en faisant de l'échange de bonnes pratiques. Quand on va sur le site de l'Union européenne, on voit bien, il y a des exemples très concrets d'actions qui ont été... Y compris d'autres pays membres de l'Union, ça vous intéresserait de savoir ce que font vos homologues. On pourrait s'en inspirer et dire, tiens, eux, ils ont été financés pour ça, donc il n'y a pas de raison que nous, on ne le soit pas. Ouais. Voilà. On parlait des Allemands et des Espagnols agiles, mais voilà, il y a peut-être des idées à prendre chez eux. Et puis, dernière chose, mais ça nous échappe, il faudrait que la France reprenne un petit peu d'influence en Europe, ce qui, au fil des années, a été un peu perdu. Voilà. Je pense que si certains arrivent à décrocher des programmes, des financements et autres, c'est parce qu'ils sont extrêmement présents à Bruxelles, à Strasbourg. Enfin, voilà. Et moi, là où ça se passe. J'observe. Oui, oui. Parce que c'est très juste ce qui a été dit. Hein. Bon, y a nous, on est à notre petite échelle, mais oui, il y a notre pays, il y a l'État français. Et il y a l'influence qu'il peut avoir auprès des instances. Il se débrouille pour justement... parce que combien de fois et depuis combien de temps on dit que c'est complexe et qu'il faudra améliorer les choses. Et rassurez-moi, j'espère que 2021-2027, ça va être plus simple. Parce que 2014, ça correspond à peu près au début de 2014-2020. C'est ça. Donc, oui. On a compris le message. Ouais, c'est super important. Et faut pas rater sinon, le virage. Là. Sinon, on aura beau dire tout ce qu'on veut, être tous très pro-européens, le message, il aura du mal à passer. Oui. On le voit bien d'ailleurs, c'est intéressant, vous êtes tous quand même intéressés par cette matière, par ce sujet, et on passe quand même un temps important dans cette soirée à souligner justement ce qui n'est pas optimal et ce qui mériterait d'être amélioré. Donc ça sert aussi à ça, ce genre de rencontre. On arrive au terme, je regarde ma montre, oui c'est à peu près, on s'était dit qu'on allait se quitter à 22h au plus tard, je pense que c'est bien qu'on s'arrête là, à moins qu'il y ait encore une dernière question, mais je pense que non. Pardon ? Une suggestion ? Voilà, vous aussi vous pouvez apporter une suggestion. On s'en restera. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous. Oui, Catherine. Vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Voilà. C'est un problème un peu très vitréen, mais qui existe. C'est qu'effectivement, Vitré a aussi un très grand patrimoine historique. On parle aussi énergétique. Alors, nous, on est dans un bâtiment historique, un mais hôtel c'est dur particulier. À chauffer, hein. Ouais. Voilà, les menuiseries sont quand même très coûteuses. Ouais. C'est un savoir-faire très particulier. Moi, j'adorerais que ce soit... Il y a l'architecte des bâtiments de France qui doit donner son avis. Hein. C'est compliqué, ça. Voilà, hein. C'est ce monsieur-là dont j'aimerais vous parler. C'est qu'effectivement, il y a aussi en France des choses qui ne se font pas parce qu'il y a des gens qui restent quand même très têtus sur leurs pratiques et qui ne le veulent pas changer. Et entre autres, voilà, malgré tout, sur la gestion des fonds européens, je pense que c'est beaucoup quand même... Ça, c'est un vrai débat, on peut parler une soirée entière. Ouais, des technocrates français, ça, je pourrais vous en parler. Voilà, rendez-vous. Mais voilà, mais il y a les architectes aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même un souci, toute l'énergie qu'on dépense, à la fois dans les flux, mais aussi vitale. Voilà, ça c'est dit. Merci Catherine Alain. Merci à tous les quatre pour votre intervention et puis votre éclairage précis. Merci à la Maison de l'Europe d'avoir organisé. On donne la date de la prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine. Oui, mercredi 30 mars à Montfort Communauté. Et on parlera d'environnement, c'est ça ? Non ? Non, citoyenneté, égalité. Citoyenneté, égalité, c'est bien aussi. Et voilà. Eh bien, merci Xavier. Merci beaucoup. Merci.